un petit café chaud. Je vous ai apporté des muffins aussi. Voilà, prenez votre temps, là. Oh, mon petit monsieur, venez vous asseoir. Venez vous asseoir, je vais vous donner un bon café. Voilà. Puis un petit muffin. Et voilà. Mais non, pauvre petit, il va tomber. J'ai apporté un petit café, monsieur. Monsieur? Monsieur, enlevez votre chapeau, vous allez avoir bien trop chaud, voyons donc. Oula. T'es venu. Mais je suis jamais partie. Ah oui. Je t'attends depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai fait un cauchemar, je pense. Mais c'était quoi? C'était weird. J'étais enfermé, puis... Puis, ben, tu voulais pas me laisser sortir. T'es enfermé. Puis quoi? Hey. Tu voulais pas me laisser sortir, là, puis... Rien. Des fois, j'aimerais ça avoir un appartement unique pour ça, pour avoir la salle de bain quand j'en ai besoin. Je suis assez tannée d'attendre tous les matins. Ah ouais, des niaises, on attend, nous autres, là. Je pense que c'est bien de retourner me coucher. Oui, c'est ça. T'es encore fâchée contre moi? Alex, t'es-tu encore fâchée? Je pense que t'es même pas capable de réaliser le mal que tu m'as fait. Come on! Ça sert à rien, Caroline. Tu comprendras jamais. Je m'excuse. Je me sentais pas bien. Vas-y donc, premier. Mais là... moi, je vais attendre un peu. Là, si tu t'en vas, moi, je pars avec toi. T'en rappelles, là, on a dit qu'on partirait en voyage ensemble? Ben, si tu pars en Afrique, moi, je te suis. Non, Caroline, faut que tu restes. T'as des bons médecins ici, là. Puis tes médicaments. Je m'en fous. Moi, je veux partir avec toi, bon. Caroline, je pars plus. Mais tu disais que tu voulais aller aider du monde.
Ben oui, mais il y a des gens que je peux aider ici. Ma mère a raison, ça sert à rien de fuir. J'ai fait un rêve bizarre, je sais pas s'il y avait un message dedans, mais je pars plus. Je suis contente. J'ai besoin de toi, tu sais. C'est peut-être ça, mon rêve. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Ma brosse à dents. J'ai oublié ma brosse à dents dans la salle de bain. Il y a que pas de pot, personne ne l'a mangé, ta brosse à dents. Ben oui, mais faut pas que personne s'en serve. Le virus, ça peut s'attraper par une brosse à dents. Ben voyons! Ben oui! Ce soir, je couche chez moi. Hein? Pourquoi? Peach, t'ai déjà tout expliqué ça. C'est fini. On reste amis, là, mais... Deux, c'était comme un désir. J'avais besoin d'un peu de passion. Toi aussi, je pense. Mais ça aussi, c'est fini. C'est pas vrai. Ça vient rien que de commencer. Non, tu confonds. C'est pas de l'amour. Ça, c'est juste du sexe. Moi aussi, je me suis trompée. J'ai perdu le contrôle. J'aurais pas dû. Mais là, je suis pas bien. J'aime pas ça. Je suis rendue la méchante de l'histoire. Moi, Roxane l'éveillée, méchante. C'est impossible. C'est exactement ce que je voulais éviter. Roxane, tu m'aimes? Moi aussi, je t'aime. Je pense pas, non. Je pense que celle que t'aimes, c'est Lola. Arrête, c'est fini, y a plus rien. Oh non, non, non. Non, pas de mensonges, là, pas d'histoire, OK? Pas ce matin. Faut juste qu'on regarde la réalité en face. On a eu envie de vivre un moment agréable. On l'a fait, c'est parfait. On aurait pu s'en passer aussi. Mais là, j'aime pas le rôle qu'on m'a donné, moi. Lola, j'ai rien contre elle. Elle a le caractère qu'elle a. Ça m'est égal, mais... Moi, Pete. Moi. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette histoire-là? C'est quoi mon rôle, exactement? Je sais pas de quoi tu parles. Oh. Tu causes-tu, là? C'est ça. Si tu veux, oui. C'est mieux comme ça. On reste amis, là, mais... Je pensais pas, mais... Ça me fait quand même quelque chose, hein. C'est weird. Le rêve que j'ai fait cette nuit, là, je sais pas ce que ça voulait dire, mais je pense que ça a rapport avec ce que tu me dis, là. Là, t'es sûr, là, tu veux pas continuer. Non. Merci. C'était bien le fun, mais là, on reprend chacun notre chemin. Je sais pas pourquoi, mais... Tu vas peut-être passer à côté de quelque chose de bien important. Bien important. C'est la dernière, celle-là. On a eu combien de commandes cette semaine? Trois. Je touche du bois. Tiens. Bien. Tiens, ma mère a toujours dit que j'avais une tête de pioche, ça doit être plus solide. Tu parles. Finalement, ça va bien. En tout cas, on a atteint notre but, mais il faut que ça continue.
Ça va bien aller à cette heure, tu vas voir. Oui. En tout cas, ça a l'air que les gens achètent de plus en plus d'affaires faites au Québec. Tant mieux. J'ai un peu plus, moi, de voir le monde acheter leurs affaires aux États-Unis. C'est peut-être moins cher, mais c'est pas mieux si on perd notre travail. Plus ils achètent là-bas, là, plus on a de chances de perdre notre emploi. Mais ça, ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Tu travailles bien. C'est beau ce que tu fais, c'est bien certain qu'ils vont continuer d'acheter tes vêtements. Je travaille assez fort, là. Il faut que ça marche. Ça, j'ai aucun doute. Si on peut gagner le concours de designer, là, en tout cas, au moins être choisi, on n'aura plus de problème. Hey, écoute, je sais pas si c'est ça, mais il y a une lettre qui est arrivée par messager ce matin. Attends. Ah, ben c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre-tu? Ben oui. Mais oui, mais ça m'énerve. Fais-tu je l'ouvre, moi? Non, mal joué. C'est oui, on est retenu. Tiens, Louise, le courrier. Merci. Tiens, une lettre de Vanessa. Ah oui? Y a plus de café, y a plus de pain. Y a du café fait oisin, puis y a du pain dans le congélateur. Ah, ben ça a l'air de bien aller. Qu'est-ce qu'elle dit? Chère Louise, tout va bien, je me sens mieux. Au début, je ne savais plus quoi faire de moi. J'ai fait ce qu'on appelle une petite déprime. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Arnaud aussi s'est un peu calmé. On a demandé le divorce. Je pense qu'on va réussir à le faire à l'amiable, moi et Arnaud, bien sûr, parce que pour ce qui est de sa famille, ils ne sont pas prêts de me pardonner. Il m'a avoué qu'il voulait se remarier. Je suis contente pour lui, mais aussi pour moi, parce que ça va aider à ce que tout se passe bien. Je te remercie de ce que tu as fait pour moi. J'irai te rendre visite bientôt. J'espère que tout le monde va bien. Dis-leur que je suis correcte. Dis bonjour à Mathias et merci. Je pense à vous tous très souvent. Je vous embrasse. C'est pas pour les détails, puis elle est même pas capable de vivre avec son bord. Et hey, toi, on t'a rien demandé. Gabriel. Puis, c'est quoi la réponse? C'est oui. Mais où et en quoi? En philo, à l'Université de Montréal. T'es pas contente? C'est ce que tu voulais, non? Ben oui. Alors, hey, qu'est-ce qui t'arrive? Hey! Je suis fatiguée, moi, imagine-toi donc. Ça fait deux nuits que je dors pas, moi, à cause de sa grippe. Ça m'inquiète à tous trop. Tu trouves pas ça ressemble à de l'asthme, toi? Mais non, hey, elle est trop petite. Puis une grippe, là, ça arrive à tout le monde. J'irai pas à l'université. Le garage m'offre de reprendre mon travail. Faut pouvoir rester avec Daphné. On va arranger nos horaires. Mais tu voulais aller à l'université, non? Ah oui, mais j'irai plus tard à l'université. J'ai le temps. Là, là, ma petite fille, là, elle a besoin de moi. De toute façon, je me trouve fatiguée. Comment tu veux que je sois capable de prendre des cours? J'ai de la misère à m'habiller. Elle va te recoucher, là. Profites-en, maman a dit qu'elle la garderait jusqu'à midi, OK? Maman, on peut pas toujours dépendre de ta mère. Là, avec ton salaire, celui du garage, on va être capable de s'arranger. Puis, faut s'informer, on peut peut-être avoir une bourse quand même. C'est plus raisonnable comme ça. On en reparlera tout à l'heure, hein? Je comprends, là, t'es fatiguée, mais tu m'as toujours dit que tu pourrais pas rester enfermée ici, hein? Pense-y bien. OK. À tout à l'heure. Merci. Ben oui, Geneviève. Oui, c'est super. Dans un mois. Ben oui, on va être prête, là. J'ai déjà pensé à tout. Je vais aller porter ça au monte-charge. Okay. Hein? Ben, on va faire les mannequins nous-mêmes. De toute façon, mes modèles sont pas faits pour des femmes de 1m80. On va demander aux autres de nous aider. Ben oui, ça va bien aller, tu vas voir. Oui. OK. Oui, à tantôt.
Fred, c'est une lettre de mon frère. Jette-le. Il me dit encore qu'il va me laisser tranquille, qu'il va disparaître. Il me dit qu'il a honte. Qu'est-ce que c'est ça? Allô, maman? Oui. Écoute, j'ai reçu une lettre de... Vous autres aussi? Tiens, tu peux prendre des photos. J'ai plus besoin. T'abandonnes? Non, non, mais les examens s'en viennent, là, puis je pense que ça vaut plus la peine que je me concentre là-dessus. Pour ça, c'est l'université, puis... C'est de voir si je suis pas capable de me trouver une place dans leur journal à eux. Tu t'en vends quoi? Journalisme, communication. Hé, hey, moi avec. Où tu vas? À l'Université du Québec. Moi, j'étais à Concordia. Ben, dis pas ça comme ça, là. On va se voir pareil, tu sais. J'ai fait un rêve bien capoté, moi. Un cauchemar, je devrais dire. Je me demande, ben. J'ai peur de me retrouver tout seul. Pas toi. T'as pas peur qu'on se voit plus personne? On était une belle gang, t'es un chum. On s'habitue les uns aux autres, on s'aime bien, chut. J'ai peur qu'on se voit plus. Et puis, toute l'amitié, ça reste toujours. Elle est allée où, Alex? T'inquiète, elle est allée voir les policiers. Comment ça? Ça ne nous regarde pas, Caroline. Bon. Toi, ça va, tes affaires? Très bien. Toi, pareil que t'as encore fait rusher ton prof? Bon, qui c'est qui t'a dit ça? T'as pas l'importance. À quoi tu joues? Je joue pas. Je l'aime, Benoît. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Il y a personne qui peut comprendre. Je l'aime, puis je l'aime pas. J'aurais aimé ça qu'il veuille. Qu'est-ce que tu veux, ça a l'air que je pogne pas assez. Ça, je suis pas inquiet pour toi. Ça m'aurait fait du bien, c'est tout. Bon, mais si Alex ça revient pas, moi, je vais y aller. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux qu'elle sache que moi, avec, je me trouve bien épaisse de ce que j'ai fait. Écoute, Caroline, je pense que c'est pas le moment. Tu reviendras demain, OK? Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je peux pas t'en parler, Caroline. Mais il est quelle heure, là? 11h05. Merde! Bon, faut que j'y aille. Tu lui diras que je reviendrai l'autre jour. Okay. Bye! Bye. Génial, bonjour. Oui, Monsieur Capoineau. Non, elle est pas ici. Ben oui, certain. OK. Oui, j'ai fait le message. Merci. Alexandra, il y a ton père qui vient d'appeler. Mon Dieu, ça va? Je sais pas. Je t'ai déjà dit que j'aimais ma tante. Je t'attendais pas. Je suis venue donner les résultats de mon test. Test de quoi? De grossesse. Puis? C'est négatif. Ben oui. Ben oui, j'aurais pu te le dire. Gabriel, je suis malade, je me sens pas bien. Ça n'a pas rapport, Nora. J'ai tous les symptômes. C'est dans ta tête que ça va pas, t'as une chose qui capote. Parlant de capotes, on a toujours utilisé des capotes. En tout cas, ils disent que j'ai rien. Je voulais te le dire. Ben, c'est mieux de même. Pourquoi tu fais cette tête-là? Hein? Laura, ça aurait été effrayant. Je vais parler d'ici en fin de semaine. Je vais apprendre du samedi midi jusqu'au dimanche.
Hein? Faut que je m'occupe d'elle, tu comprends-tu? J'en aurais pas voulu d'un autre. Gabriel, c'est pas toi qui décides de ça. Toutes tes histoires de bon Dieu. J'y crois pas, je te l'ai déjà dit. Il y a pas de bébé, puis je suis bien content. Je sais pas si c'est fini, là. Hein? Je m'en vais. Pourquoi tu te bats pas? Je pensais que tu réagirais. T'avais l'air pourtant décidé. Bon, oui, jusqu'à ce matin. Je sais pas, quand je suis arrivé ici... On dirait que j'avais plus d'intérêt. Ça me tente plus, c'est tout, ça me tente plus. Tu dois tenir ton bout. Pourquoi, là? Là, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Je vais aller voir les gens de l'écho de la ville, je vais leur demander s'il n'y aurait pas un travail pour moi cet été. Je pense qu'ici, j'ai fait pas mal le tour. Je serais un peu déçu. Je m'excuse, Mme Janine. Hein? T'as toujours été correct avec moi. Ce qui m'embête le plus, là, c'est qu'il n'y a personne pour me remplacer. Attends, quand ça va se savoir, il y a plein d'étudiants intéressés par le journal. Ben, t'as donné un ton, ils vont le garder. J'espère. Merci, hein. Excusez-moi. Ah, je m'en allais. Julien, t'as eu un téléphone, je pense que c'est urgent, c'est pour ça que je suis venu tout de suite. C'est un message? Ouais, j'ai écrit ça. Monsieur Chassé, rédacteur en chef du journal L'Écho de la Ville. Il veut que tu le rappelles, il dit que c'est urgent. Chassé? Ce qu'il veut? Il me l'a pas dit. Je vais l'appeler. Bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Chassé, s'il vous plaît. Moi, je te parle. Go. Il fallait que je te dise... t'as pas le droit de me faire ça. Ben, quoi? De marier Roxane. Tu peux pas. Donc là, c'est comme ma sœur. J'ai besoin de toi aussi. Je veux pas avoir à choisir. Je veux que tu retournes avec Lola. Pete, tu l'aimes. Puis elle t'aime comme une folle. Je sais, là, j'ai pas toujours été correcte, mais là, oublie-moi. Oublie tout ce que j'ai fait, là. Oui, c'est moi qui ai pas été correcte. Je l'aime, Lola. Fais-moi pas ça. Pourquoi tu me dis ça, maintenant? Parce que c'est ça qu'il faut. Je veux pas avoir à choisir. Je pourrais pas avoir. Puis là, ça s'en va. J'ai dit que je partirais avec elle. Non, je veux pas avoir à choisir, puis je sais plus duquel des deux j'ai le plus de besoin, là. L'affaire de Gabriel, ça aurait jamais été aussi grave si je m'étais fermée à la trappe. Si tu veux, je supporte pas de voir du monde heureux. En tout cas, je le supportais pas, ça a de l'air. Là, c'est le contraire, je supporte plus de voir du monde malheureux. Lola est à bout. Vous êtes faites pour aller ensemble. C'est fini, Caroline, OK? Jamais je vais t'empêcher de la voir, là. C'est bien correct. Pourquoi tu dis ça? C'est même pas vrai, Lola l'a tout enduré. Elle t'a toujours poussé dans le dos. Tu serais peut-être pas là si elle t'avait pas aimé. Ah, calme. Tu serais peut-être encore en prison. Je sais-tu, moi? Puis là, tout va bien pour toi. Tu retournes à l'université, tu recommences à faire du cash. T'es ingrat. Injuste, je te trouve cheap, Pete. Aveugle. Roxane, c'est rien. Juste du cul. Oui, monsieur, un trip de cul. Pete, faut que je te parle. Ouais. On m'a engagé pour suivre le CJP RMNSAP. Dors-tu? Le CJP RMNSAP? Le congrès des jeunes politiciens là, pour un regroupement pour un monde nouveau sans alliance à un parti ou quelque chose comme ça, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Je t'ai fait engager comme photographe. Faut que ça marche, là, hein? Si j'ai besoin de toi. Niaises-tu, là? Je te niaise pas, je viens de parler aux gens de l'écho de la ville, là. On est engagés, toi puis moi. Pour un contrat, là, mais c'est déjà ça. Tu vois, là, tout va bien pour toi. Mais si Lola n'avait pas été là... Mais tu devrais être contente que le test soit négatif, non?
Je me trompe, peut-être. Non, non, non. Non, 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 c'est sûr que c'est mieux comme ça. Mais quand même. Quand même. C'est sûr que Gabriel aurait vraiment pas été content, mais... Je sais pas. Moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, c'est un beau cadeau, un enfant. Puis, il aurait pas pu faire autrement. Qui dit qu'il aurait pas voulu, mais... Il l'aurait aimé. Gabriel est pas aussi méchant qu'il veut en avoir l'air. Oh, je sais, je sais. Mais il a déjà tellement de difficultés avec sa fille. Il voudrait pouvoir faire plus, mais c'est difficile. Il aurait aimé les deux. J'en suis certaine. Ça aurait été comme un message. Tu sais, Jeannine, je sais qu'il a été mis sur ma route. Ça aurait été comme un signe. Il aurait compris. Tu crois pas que... Enfin... Laurent, il n'y a pas de message. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est la nature. Plus simple? Tu penses? Pourquoi tu dis qu'il a été mis sur ta route? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ben, c'est évident que c'est Dieu. Écoute, je sais que tu peux pas comprendre. Mais c'est lui qui m'a envoyé un message d'amour. Moi, ce que je dois faire, je dois aider Gabriel à se rapprocher de Dieu. C'est comme une mission d'amour. Je crois pas que ce soit... Enfin, comment je dirais? Laura, je pense que tu es trop amoureuse. Tu cherches des raisons. Regarde-moi, par exemple. Je suis très superstitieuse. Alors, quand je tombe en amour, beaucoup moins maintenant, mais avant. Je faisais des sortes de tests, hein? Je me disais, si j'arrive à me rendre au coin de la rue sans marcher sur les lignes du trottoir, c'est qu'il m'aime. Ou, s'il neige demain matin, c'est le signe qu'il attend que je l'appelle. Hein? C'est de la superstition. C'est mignon, mais faut pas prendre ça trop au sérieux. Jeannine? Mmh. Est-ce que tu penses que les tests de grossesse peuvent se tromper? Est-ce que tu penses que je pourrais être enceinte pareil? Ça peut arriver. Mais c'est très rare, Laura. Des exceptions. Mais c'est possible. C'est possible. Faut fêter. Ouais. Hey, moi, je bois pas, hein. Ah, man. Rien qu'une, mais... Bien fêté. Il y a d'autres moyens, hein? Ouais, c'est vrai, là, mais pour une fois, là, rien qu'une. Ça le pas, là. Personne ne conduit. On va trinquer à la nouvelle vie qui commence, t'in. OK. Bon pour une, d'accord. À l'université. Pour au tétage, c'est quasiment fini au cégep. Parce qu'on devient des grandes personnes, hein? On parle pas de malheur, toi. À tous les parents qui n'ont rien compris. À ceux qui comprennent. Pareil qu'il y en a. Bon. OK, on boit, là? Hein? Ouais. Pas les miens, en tout cas. Mon oncle, il dit que j'ai assez étudié comme ça. Là. Il dit qu'il est temps que je m'occupe de ma mère. Tu m'as dit qu'il voulait que tu y ailles à l'université. Ah oui, mais les temps sont durs, là. Puis mon oncle, il est tanné d'aider. C'est à mon tour, fait que... Bon, ben. Au travail que j'ai à trouver, à mon prochain contrat. Puis à ma mère aussi. Enfin, je l'aime, ma mère, même si des fois, elle me comprend pas. Ouais. Puis à ceux qui comprennent rien, t'es. Hey, c'est une fête, là, ou un enterrement, là, faudrait savoir, hein? On fête l'enterrement de notre... Ouais, vas-y. De notre vie d'avant. Hein? Puis moi, là... De mon bel amour. Les gars, je suis célibataire. Vous croyez pas, hein? Je suis seul. Tout seul. Puis de bel amour. Mais c'est rien que vous autres. Je pensais qu'on fêtait votre contrat, moi. Ben, c'est ça aussi.
Mais tu sais, ça prend bien des affaires pour arriver à ça, mon ami, hein? Il y a eu bien des bas avant ça. Ouais. Puis bien des highs. Tu comprends? Plus tes highs sont hauts, plus tes bas sont down. Mm. Puis là, c'est un bien gros high. Avec un bien gros down. Ben, est-ce que vous voulez, hein? Non, je ne tente plus. Hey, Pete! Petite gorgée, là, pour le journal. À l'université. À Roxane. À ma mère puis à mon oncle. Une gorgée pour nous autres. Hey. Salut. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, hein? C'est une très bonne nouvelle. Julien doit être... Hey, imagine! Alors ça, je me rends compte. Coudonc, Jeannine, as-tu pensé à ce que je t'ai demandé? À quoi? Mais à propos de la pension, comment je peux faire pour garder les deux? Ah, tu n'y as pas pensé, hein? Je ne sais pas. Écoute, honnêtement, j'en sais rien. L'idéal, ce serait que j'ai quelqu'un qui travaille ici pour moi. Quelqu'un qui verrait ce que tout se passe bien et qui prendrait soin des jeunes. J'ai déjà eu plusieurs appels des parents pour l'année prochaine. Et je sais pas qui est-ce qui va rester, mais il faut absolument que je parle aux parents. Je sais pas quoi leur dire. Jeannine, ça te tenterait pas, toi, de venir habiter ici? Moi? Habiter ici? Oui, mais je te paierais. Tu pourrais prendre soin de la maison, puis moi, je continuerais à m'occuper des papiers puis de l'argent. Puis je viendrai souvent, aussi souvent qu'il faut. Même une fois par semaine. Et puis, il y a le téléphone. S'il y a un besoin, je descends. Ça serait tellement plus simple. Mais j'ai du travail. Alors, ça t'empêcherait pas de travailler. Hein? L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un à la maison quand les jeunes sont là pour voir à ce que les corvées soient faites. Je sais pas, moi. Ah, mais ça demande du temps. Beaucoup de temps. Oh, Jeannine. Dis pas non, s'il te plaît, réfléchis. Venir habiter ici? Mmh. Hey, je tombe de ma chaise, moi. Ici. Je sais pas. Vraiment, je le sais pas. Ben, sinon, va falloir que je ferme, hein? Comme j'ai refusé de vendre. Il faut absolument que ça marche. Oh, Jeannine, s'il te plaît. Mmh. Ici? Ça, papa. Ouais, je vais y aller. Non, c'est correct. Toi, t'arrives quand? Oui. Ma masque? Oh, je comprends. Oui. Aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Alexandra, réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, il s'est suicidé. Qui c'est? Ça va, Alex? Je sais pas. Je sais pas. Je vais s'en soulager, mais ça fait tellement mal. Je comprends pas. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Non, Alex, oublie ça, c'est pas de ta faute. Si j'avais pas, il y aurait pas. C'est lui le coupable. Il pouvait plus supporter ça, c'est pas à cause de toi. Triste.
Je comprends pas. Je me sens coupable, puis je me sens soulagée. Mais... c'est pas correct, ça. C'est pas normal. Tu te sens libre. T'es libre. T'as pas à avoir peur. Tu peux vivre à ce temps. Il dit pas ça, il est mort. Non, laisse. Que tu te sens soulagé. T'as pas à avoir honte d'être libéré. Mais j'ai honte! Lola, c'est vrai que tu parles plus? Je veux que tu m'emmènes, maman, pas. Moi puis ma grande trappe. Ça fait des mois que je dis que je veux faire du bénévolat, puis c'est quand je m'occupe des autres que je suis plus heureux, puis je fais jamais rien. Je parle, puis je reste assis sur mon jambon. Ça veut dire quoi, ça? Tu restes? Oui, je reste, puis je me prends en main. Ça veut-tu dire que pour notre voyage, ça marche plus? Ah oh, non. Ça, je te l'ai promis, on part. Pour Vanessa, je pense que c'est Fallball pour son château, mais je vais trouver d'autres mondes. Non, on part, Caroline, on part. Bah, c'est au bout. Je t'aime bien, tu sais. Moi aussi. J'ai parlé à Pete tantôt. Puis, tu voulais le faire changer d'idée, puis ça n'a rien donné? C'était bien sûr pour toi. Je sais pas. En tout cas, ça m'a fait du bien. Salut. Salut. Je pensais que je t'avais enlevé le goût de revenir, toi. Il me semble que... mais t'aimes ça, peut-être. Je suis venue te dire que j'ai laissé Pete. Il est à toi maintenant, là, j'en veux plus. Ah, bravo! Bravo! On le prend, on essaye, puis on tourne au bureau des plaintes. Là, c'est plate, là, mais le bureau des plaintes est fermé, puis on sait pas quand ça va réouvrir. Pour les échanges, t'es au deuxième étage. Je sais, j'aurais jamais dû, OK? Mais là, il est trop tard, hein, c'est fait. Quand t'es revenue de voyage, ma pauvre, puis t'es moi, on allait reprendre. Mais madame s'est décidée tout à coup. Je le veux. T'as failli me faire mourir, puis là, tu voudrais l'absolution, peut-être? Dites trois, je vous salue, Marie, et allez en paix. Non. Ce que je pensais, hein. Je voulais. Toi-même, tu m'avais dit. Je l'aime, Lola. Je l'aime, moi. Bon. Appelle le plombier, quelqu'un, il y a encore une inondation, là. Arrête, Roxane, arrête ça, OK? Même pas. C'était rien. Moi, je voulais me marier, avoir des enfants. C'est pas le gars que je pensais. Le mien, il aimait rien que moi. L'homme de ma vie, regarde personne d'autre, il m'aime moi. Juste moi. C'était comme ça au début. C'était après la prison que... Lola, il t'aime. Pas moi. Ça me fait mal. Je sais que tu comprends ça, ça me fait mal. Mais oui, Roxane. Mais oui, je comprends, mais je pense que je suis pas la bonne personne pour te consoler. Pour moi. Je voulais juste que tu saches, là, c'est tout. Mais oui. Bye! Bye. À lui, là. C'est ça, bye-bye. Bye-bye. Tant mieux. Gabriel Lévesque, c'est génial ce qui leur arrive. Génial, peut-être bien, mais c'est pas une raison pour se prendre pour le nombril du monde. Bon, t'es jaloux, là. T'occupe pas de lui, là, qu'il soit jaloux ou pas. Il fera jamais rien de bien. Étienne. Tiens, c'est ça. Il doit être jaloux. C'est pour ça qu'il essaie de voler les blondes de tout le monde. Les lunettes. Non, mais c'est vrai. Monsieur supporte pas qu'on soit en amour, alors il fait tout ce qu'il peut pour voler les blondes des autres, hein? C'est ça. Une fois qu'il a le pied dans la porte, il s'arrange pour casser les couples. C'est son plaisir. Sais-tu que t'es rien qu'un débile, toi? Hey, vous exagérez, là. Écoute-les pas, Gab.
Écoute bien, les mouk-mouk. J'ai pas volé la blonde à personne. Je vais faire sauter bien des coupes si je voulais, mais... Mais tu sais pas tout, mon mouk-mouk. Gabriel. Hey, regarde ce qu'il a fait ta pite à Lola. C'est un malade. Ouais, pis à Hélène, hein? Il essaie de l'embrasser de force. Il paraît qu'il y en a une nouvelle. Ah oui, Laura. Ouvre Laura. Avec personne, à ce que je sache. Une chance que t'as jamais touché à Chloé, toi. Gabriel. Tu sauras que... que j'ai sauvé bien des coupes. Mais ça, c'est trop épais pour le voir. Hein? J'aurais peut-être pu, mais... mais j'ai aidé. Ça t'embauche un coin, mon français? Ça m'étonnerait. Je te crois pas, mon punky. Ben, tu devrais peut-être... Est-ce parce assez, que... là? Je sais pas ce que tu fais avec une larve pareille. Une larve de légumes. Hey. Où ça? Fais-moi confiance, viens-t'en. Ben oui, mais là, les cafés, les cafés. Ah, ben les cafés, c'est fermé. Alors, excusez-moi, les petits copains, je suis désolée, mais c'est fermé, hein? On va fermer le café. Ben oui, c'est fermé, tu vas voir, ça va bien. Fermé, hein? Regardez, c'est fermé, vous avez pour marquer? Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est fermé. Y a-t-il quelqu'un qui va répondre? Hey! C'est pas de ma faute, c'est son idée. Ben là, il est temps qu'on parle sérieusement tous les trois. Hein? Thank you.